Fais voir Ready or Not là. Fais voir le truc là. J'aimerais regarder ça parce que je l'ai vu, mais très très succinctement et très rapidement. Non, mais laisse-moi faire. Voilà. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Ah, je sais pas ce que vous allez me dire, ce que vous en pensez. Moi, je suis resté en fait. Dubitatif. Voilà, sans moi, pas en toi. Dubitatif. Voilà, dubitatif. C'est YouTube. J'y vais jamais. Talk to TAC 15. You have compromised authority to make entry on Site 1. How copy? Roger that. Pardon. Ça fait un bruit de merde. Hein. Ouais. Premier truc, c'est beau, c'est super beau. Ouais. Les graphismes. Ça a l'air moche. Hein. Ouais. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. Ouais, le graphisme ne fait pas tout et tout, etc. Mais on est en 2019, quoi. Je trouve ça un tout petit peu chum, quoi. Je trouve pas ça fluide. C'est lent. Et c'est très lent. Et j'ai trop l'impression qu'on va être dans une espèce de Escape from Tarkov avec un mode simulation, etc. Mm. Ça, c'est pour le côté négatif. Oui. Et le côté positif, faut juste que ce soit un nouveau SWAT 5, en fait. Ouais. SWAT 4, c'était l'un des jeux sur lequel j'ai plus joué SWAT en coopératif. SWAT 2 aussi. Et je pense qu'en fait, Ready or Not pourrait être le solo mode qu'on n'a jamais eu sur Rainbow Six. Même si c'est deux jeux qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut pas les comparer. On peut pas les comparer. ben non. Même si c'est un truc, c'est à peu près dans le même lore, oui. C'est pas du tout la même chose. Tu dis des bêtises. Mais il faudrait que ce soit comme SWAT 5. Donc à mon avis, multiplayer, je sens que ça marchera 5. Pas. Mais ouais. Le solo gaming en mode coop, je l'attends beaucoup. Ouais. Alors, calmez-vous. Oui. Hein, parce qu'à la fin, ils vous montrent la date. C'est lent. De quand ça va sortir. Ouais, je sais pas tout de suite. Il y a le temps. Ouais, il y a le temps. On dirait le moteur graphique des simulateurs allemands, genre Euro Truck. Grave, le truc tout lisse. Regarde, y a rien. Oui, mais attends, c'est une pré-alpha, mec. Hein. Quand il se relève, le mec, c'est même pas fluide. Quoi. Oui, c'est vrai que les bon, là, ça va, mais. Ouais. Et le pire, c'est le ragdoll. Le ragdoll. Les mecs, quand ils vont mourir, tu vas voir, ils font. Oui, bon, les animations. C'est ridicule. Les animations, c'est vrai enfin, qu'elles sais pas, sont un peu... Ça manque de fluidité dans les mouvements et tout. C'est pas parce que c'est simulation que c'est pas rapide. Hein. Dans la vraie vie, ça va vite. Hein. Bah, après, les animations, c'est vrai qu'elles ont l'air pas fluides. Mais niveau graphisme, je suis désolé, c'est très bien. Pour une pré-alpha, ou une alpha, je sais pas trop, ça a l'air propre. Il faut pas confondre graphisme et animation. Hein. C'est vrai que ça manque de texture, ça manque de différents petits trucs dans les. Ok, bon, les tronches sont bien faites. Oui, bah ça, je te l'ai dit, je viens de le dire. Les graphismes sont bien. Et toi, tu dis qu'ils sont nuls, mais non, les graphismes sont très bien. Et ça manque un peu de détails et tout. Pour créer un authentique et accuré tactical experience, dont une expérience tactical. With Ready or Not, avec Ready or Not, votre team sera capable de customiser tout leur gear personnel, leurs équipements personnels, leurs armes, etc. etc. Bon, très SWAT 4-like. Wow. Ça va être sympa. Tu vas être en mode oh, je vais mettre un laser. Oh non, je vais mettre un red dot. Non, en espérant qu'ils aient les licences. Oh, les licences, important. Non, ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est les animations. Je trouve ça très. Voilà, effectivement, tu vas avoir des trucs sympathiques, genre ouvrir les portes, les machins et tout. Et le son. Mais là, là. Oh, le bras, il est. T'as vu son bras, il est. Non. Déjà, le son. Ouais, les bruits sont pourris. Ouais, c'est ça pue la merde. Même le bruit des armes est pourri. Hein. Étouffé et tout, ouais, j'espère que ça va être retravaillé ça. Regarde là. Et puis alors, ça n'aide pas, mais tous les extraits qu'on voit. Mon gars, il parlait de l'équipement. Ta gueule. Vraiment, ferme-la. J'ai l'impression que c'est au ralenti en fait. À chaque fois, les mouvements. Pour un jeu qui se veut super simulation, je pensais qu'ils auraient mis plus de.
Ah, c'est pas très beau, quoi, regarde. C'est... Non, non, il est beau, il est beau. Tu confonds, non. Bon. Il est épuré pour l'instant. Les textures sont lisses, nettes. Les lumières sont plutôt bien gérées. Mais regarde, on est au ralenti, quoi. On se croirait dans. Mais là, regarde le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se tire dans les yeps. Mais non, il s'est pris une balle, il a le réflexe de tirer encore. Ah, j'ai été déçu. Ouais. Je suis désolé. Non, c'est vrai que moi, je suis pas déçu, mais je suis inquiet. Inquiet, c'est le mot. Ça m'inquiète. Ah ouais, gros save. Il l'a loupé en plus. Ouais, t'as vu, gros save. Il pue mec. Donc je pense que ça peut être très sympa en mode coop. Mais là, ça a l'air lent là. C'est rigolo ce que tu fais avec les bras. Mais c'est vrai, ça a l'air très lent. Ça, c'est ce qui m'inquiète en fait. Mais graphiquement, oui, non, il est. Regarde, c'est plutôt bien modélisé, les lumières sont bonnes. Oh, non, mais tu peux pas comparer Rainbow Six avec ce jeu. J'ai pas comparé. C'est pas la même approche, c'est pas le même non, truc, etc. Là, ça va être une espèce d'Escape from Tarkov version simulation, quoi. Ouais. En revanche, ce qui me saoule. Bon, après, c'est dans la lignée des SWAT, etc., machin. Mais là, quand ça commence déjà en disant We are gonna experience, nanana, vous allez être des SWAT, l'unité d'élite d'intervention. Ouais, enfin. Okay. Les SWAT, quoi. Ouais. Les SWAT, c'est la version un peu tactique. Alors de la meilleure élite d'intervention, ça reste quand même les. Je déconne, mais c'est presque ça, quoi. On sait tous que l'unité d'intervention la meilleure au monde. GGN. Non, les Avengers. Les Avengers. Mec, les Avengers. Regarde s'il n'y a pas une belle qui. Et là, tu vois, normalement, quand les mecs font ça, c'est pour te montrer la beauté du jeu, tu vois. Metro Exodus, quoi. Oh. Non, les lumières sont super bien. Mais regarde le mec, comment il tombe! Bah, il a eu mal. Tu prends une balle, tu tombes. Les sons, moi c'est ce qui m'inquiète. La, wow. Les animations, les sons. Ça c'est mignon, c'est marrant, je trouve ça. Regarde. While a more aggressive unit may use Vous voyez comment ils bougent les gens. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est... Careful. Some suspects may booby trap doors with alarm systems, explosives, or other objects. Ouais, qu'est-ce que... You can survive. C'est payé des deux, mais en moche. C'est pas drôle. Je suis désolé parce que j'en attendais beaucoup en fait. Non, moche, je suis pas d'accord. Regarde comment il tombe. Mais qui tombe comme ça? Enfin, je sais pas comment. Tombe un mort. Mais tu peux pas faire ça. Regarde. Mais il avait. Regarde. Le but du jeu. Tu peux pas. Tu te prends une balle. Tu tombes. Enfin, comme ça. Tu deviens un corps inerte. Mais tu peux pas tomber à 90 degrés. C'est pas possible. Le mec, c'est un compas. Regarde. C'est vrai. Le mec, c'est un compas. Regarde, regarde le compas. Vas-y, tu regardes. Oh, tac. Le mec, c'est un bouquin. Non, il s'est pris une balle doum-doum. Doom. C'est un moule à gaufre. Ouais, il s'est pris une balle doom, c'est super puissant ça. Regarde la moule à gaufre. Hop là. Ah bah ouais, mais mec. Hop, je me fais. Je suis désolé. C'est une huître. J'ai pas aimé les ragdoll, j'ai trouvé ça. Alors que. Je m'attendais tellement à une version regarde, là, tout ultra est lent. HD c'est de, trop lent. De Rainbow Six, très tactique. Alors est-ce que c'est le mec qui a la manette? En fait je le trouve très très moche. Non, les particules et tout, non, le jeu n'est pas moche, je ne suis pas d'accord. Les lumières sont belles, la modélisation est belle. Je sais, c'est mais il manque un... Regarde, le ragdoll n'est pas dégueulasse. C'est propre. Non, non, le jeu a l'air beau. Je... Mais de toute façon, toi, tu n'as aucun goût esthétique. C'est... Voilà, c'est sympa. Là, il parle en fait de la... des aspects de pénétration, etc., qui sont vraiment machin. Donc, en fonction. Merci, mais... en fonction de la taille, de l'épaisseur, du métal, etc., forcément, bah, ça transpercera. Il y a ou les ça ricochets. Pas, il y a les ricochets. Ça, je trouve ça très sympa. Les bas. C'est vraiment poussé au maximum. Mais j'ai peur que dans une volonté de faire un jeu trop simu, comme Tarkov, on fait un jeu qui est lent, quoi. Ouais, ça, c'est et avec des trucs incohérents, quoi. Quand t'as un truc devant toi dans Tarkov, j'ai un truc devant moi. J'ai mon arme. But. Et il fait ça là. Ah je oui, déteste cache ça. Oui, je vois. Et mec, dans la réalité, si t'as une barrière devant toi, tu poses ton arme dessus. Oui, c'est vrai. Argument validé. Tu vas pas être. Je peux pas tirer. Je suis obligé de me reculer.
Mais j'arrive pas à voir dans le gameplay si c'est ouais, eux bon, qui ont mis du ralenti partout ou si c'est le jeu qui est lent. Ah oui, tu peux créer tes cartes. Oui. Donc ça c'est sympa. Ouais, ça c'est rigolo. Ça c'est sympa. Mmh. Bon, et à la fin, vous allez voir, de toute façon, t'as le temps. Hein. Je veux te dire, t'as le temps, pourquoi? Parce que voilà ce qui marque. Hein. Donc le jeu sera release Q4 2020. Ouais, juin quoi. Donc ça veut dire, bah, c'est le dernier quartile. Hein. Quartile. Donc voilà. Donc ça veut dire au mieux octobre, novembre, décembre, au mieux octobre 2020 et plutôt décembre 2020 pour Noël 2020 quoi. C'est fini. Bon alors il y a le temps de changer des choses. Ouais ça sera mais pour... Mais je le trouve pas bon, exceptionnellement beau à l'heure actuelle. Coupe la vidéo, c'est bon, tu... Comment ça va ça?